Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne YouTube Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes sur le chantier où la construction du BTOI Sovelmash se poursuit. Dans cette vidéo, nous allons parler des travaux de construction qui sont en cours à ce jour et de ceux qui ont déjà été effectués. À présent, nous sommes devant la place en face de l'entrée principale du BTOI. C'est la zone où l'asphalte sera bientôt posé, l'aménagement vertical sera effectué et en attendant, la préparation est en cours, ce que vous pouvez voir sur vos écrans. Qu'est-ce qui a été fait? Des puits ont été installés, la terre a été nivelée, ensuite le géotextile a été posé et le remblayage avec du sable a également été effectué. Dans les prochains jours, tout ce sable sera nivelé jusqu'au niveau où il pourra être recouvert de gravats et ensuite les ouvriers vont poser de l'asphalte. Allons plus loin et voyons d'autres travaux qui sont en cours. Vous pouvez voir que le terrain a été considérablement transformé. L'entreposage temporaire de sable qui se trouvait auparavant à cet endroit a été déplacé plus loin et les derniers tas de sable sont déjà progressivement répartis sur la surface du terrain. Ici, nous pouvons voir les éléments de connexion à partir desquels notre tuyauterie partira. À présent, on va se déplacer très rapidement. Ici, nous sommes directement sur la chambre de captage qui avait un aspect différent pendant assez longtemps, à savoir, elle a été ouverte. À ce jour, elle a été imperméabilisée, complètement montée et même recouverte de sable. À l'intérieur, nous pouvons voir les mêmes éléments de connexion que nous avons vus à l'extérieur du bâtiment. Ce qui est encore plus important, c'est ce que nous voyons ici des vannes et des robinets. Les caméramans vont vous montrer tout cela. Cela signifie que cette zone est prête pour le raccordement de l'eau au bâtiment. Ici, l'approvisionnement en eau froide est connecté afin d'assurer le fonctionnement du système de sécurité incendie. À noter que ce système sera installé jusqu'à ce coin-là du bâtiment. Là, il y a déjà des tuyaux posés sous la terre et connectés à l'intérieur du bâtiment. Félicitations! Par conséquent, nous pouvons déjà commencer l'installation du système d'extension d'incendie. Ici, nous pouvons voir des fosses septiques du système d'eau usée, mais aussi ceux du système d'égouts pluviaux. Derrière eux se trouvent des puits que nous allons bientôt remplir de sable pour ensuite les cacher sous une couche d'asphalte. Par conséquent, l'aspect de cette zone sera complètement différent. Et là, nous voyons le chemin temporaire formé avec des dalles de béton. Pour le moment, ce chemin est toujours là, mais dans les prochains jours, il devra être démantelé et les travaux de préparation d'une couche pour l'aménagement vertical se poursuivront. Là, nous pouvons voir un grand nombre de plaques d'égout et de fosses septiques. Ici, nous voyons une tranchée et le système de mise à la terre. Cependant, les travaux de mise à la terre du bâtiment sont déjà presque terminés. Les lignes de communication ont d'ailleurs déjà été installées. Les tuyaux précédemment installés jusqu'à la sous-station ont déjà été partiellement recouverts de terre. Le remblayage avec du sable est en cours.
Là se trouvent nos quatre transformateurs. Ils sont nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal et économiser l'énergie électrique de l'ensemble du bâtiment. Les systèmes de viabilisation nécessaires à cette étape ont déjà été installés. Si nous regardons là-bas, nous pourrons voir le bâtiment rose qui est une sous-station d'où la connexion au système électrique central de notre bâtiment sera effectuée. Approchons-nous. Ici, vous pouvez voir les tranchées et nos chers ouvriers qui accomplissent leurs tâches. Ils installent notamment les coffres du système de fusée. Et bien plus loin, nous voyons des câbles qui ont été connectés à la sous-station et partiellement enterrés. Vous pouvez également regarder à droite où un bulldozer fonctionne en nivelant des gravats et les ouvriers se préparent déjà à poser de l'asphalte. Allons plus loin. Eh bien, maintenant, nous nous sommes déplacés en dehors du terrain du BTUI Sovelmash. Voilà l'endroit où des travaux ont été effectués pour pouvoir connecter nos tuyaux au système de chauffage de la ZES. Nous voyons que nous avons coupé l'accès à l'entrée du bâtiment de nos voisins. En fait, une très bonne excuse pour prendre une petite pause. C'est une blague, bien sûr. Il y a une deuxième entrée dans ce bâtiment qui a déjà été bien aménagée. Par conséquent, nos voisins doivent l'utiliser temporairement. Pour notre part, nous avons rapidement coulé le socle en béton et l'avons imperméabilisé. Dans les zones où il y aura une charge trop élevée sur la terre à cause de véhicules qui passeront, nous avons déjà installé des coffres en béton et des tuyaux qui sortent de notre site. Là, nous pouvons voir ces mêmes coffres recouverts d'imperméabilisation. Les ouvriers vont bientôt les poser dans les tranchées et dans peu de temps, le système de chaleur sera refermé. Par conséquent, nous pourrons avoir une source d'eau chaude dans notre bâtiment. Maintenant, nous allons marcher le long de ces tranchées pour atteindre la chambre de captage et là, nous parlerons d'un autre événement important et joyeux qui s'est passé. Voilà, nous sommes arrivés à cette chambre. La ligne principale de chauffage a été installée et même raccordée au bâtiment, puis elle passe plus loin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les travaux sont en cours. Vous voyez des vannes et des équipements spéciaux installés, ce qui prouve que nous sommes prêts à connecter l'approvisionnement en eau froide à notre bâtiment. Cela signifie que tous les systèmes ont déjà été raccordés. Il ne restera plus qu'à travailler avec les réseaux qui restent de l'autre côté du bâtiment. Mes félicitations, chers amis. C'est vraiment un événement très important et une étape significative. Bien sûr, il est encore trop tôt pour se détendre, car il y a encore un grand nombre de puits et de coffres à installer, ainsi que beaucoup d'autres travaux à effectuer. Mais ce jour-là, les spécialistes d'inspection géodésique vont travailler sur le chantier et prendre les mesures. Dans le cas d'une conclusion positive, dans un proche avenir, toute cette zone commencera à se remplir de sable. Voilà. Ici, nous voyons les tuyaux qui sont entrés dans le bâtiment et c'est notamment la ligne principale de chauffage. En ce qui concerne cette porte-là, vous avez déjà partiellement vu ce qui se passe derrière. Mais maintenant, de l'intérieur, nos caméramans vont vous montrer les résultats que nous avons pu obtenir. Mais avant de quitter cet endroit, regardez ces puits et la hauteur à laquelle ils sont au-dessus du niveau du sol. Cela signifie que toute cette zone sera remblayée avec du sable. Le bâtiment semble planer au-dessus des fondations. Et nous avons encore plein de travail à effectuer. Faites attention à la façon dont la terre a été compactée à cet endroit, après le remblayage avec des gravats et après que les véhicules de construction, camions bennes, tractopelles et rouleaux compresseurs, le parcourent en permanence. À présent, nous sommes à l'intérieur du bâtiment, juste à l'endroit où la ligne de chauffage est connectée. Ici, vous voyez une fosse assez profonde dans laquelle deux tuyaux de chauffage entrent dans le bâtiment.
Ensuite, les ouvriers vont monter des canalisations et effectuer une connexion avec l'équipement du point chauffage. Tout ce que vous voyez ici est appelé point chauffage individuel. Tout cet équipement nous fournira de la chaleur ainsi que de l'eau chaude et froide. Nous avons éloigné ce nœud du mur pour pouvoir terminer les travaux de finition de l'escalier. Ensuite, nous le remettrons à sa place. À noter que le reste de l'équipement, à l'exception de quelques réservoirs et de ce nœud, se trouve déjà à leur emplacement définitif. Ensuite, les spécialistes effectueront l'installation de tuyaux, grands et petits, et la chaleur sera fournie depuis ce point chauffage individuel dans tous les radiateurs sur les étages de notre bâtiment. Il convient de noter que cette pièce est assez petite. Les concepteurs ont très bien travaillé. Tout a été installé de manière compacte et en conformité avec les exigences qui sont présentées à ce type de chaufferie. Je pense que d'autres commentaires sont vraiment superflus. Dans le bâtiment administratif et technique, des travaux sont également en cours sur le système de chauffage. Dans cette pièce, vous pouvez voir une unité de collecte à partir de laquelle les ouvriers ont déjà effectué le raccordement au radiateur dans diverses pièces. Le liquide de refroidissement sera alimenté par ces tuyaux-là. Ensuite, ces tuyaux seront recouverts avec une chape d'égalisation. Ici, la connexion pour l'installation de radiateurs de chauffage a déjà été effectuée. Cependant, nous avons déjà parlé de presque tous ces travaux d'installation d'équipements électriques et thermiques qui sont déjà au stade final. Ici, nous voyons que les spécialistes ont déjà commencé à effectuer le câblage du système d'électricité dans la pièce aménagée comme une salle d'exposition. Là, nous avons des salles de réunion. Ces câbles sont posés jusqu'aux tables et aux meubles. Très bientôt, les travaux de finition seront effectués, les murs seront peints et tout cela sera très beau. Il y aura également des cloisons en verre dont la conception a déjà été choisie et même approuvée. Bonjour Yana Olegovna, s'il vous plaît, dites-nous, est-ce que c'est agréable de travailler dans ce nouvel endroit? En un mot, c'est merveilleux, malgré qu'il y ait encore des choses qui nous manquent. Tout l'équipement n'a pas encore été mis en service, mais c'est très confortable et vraiment spacieux. Dans nos vidéos suivantes, nous allons vous montrer à quoi ressemble notre laboratoire d'essai. C'est donc une excellente occasion pour vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur tous nos boutons nécessaires, cloche ou like. Mais ne cliquez surtout pas sur les pouces vers le bas, seulement si vous avez des critiques constructives par exemple. N'oubliez pas de suivre la vie du projet Sovelmash qui se développe constamment. Le rythme de développement est assez bon, mais dans cette situation, chacun de vous peut affecter le rythme des travaux qui sont effectués à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, ainsi que la création des documents, le développement et la préparation des lots de production de meuleuses d'angle. Plus le taux d'investissement est élevé, plus le rythme de construction est impressionnant. À ce jour, le projet Sovelmash est reconnaissant pour n'importe quel montant d'investissement, car de nombreux travaux peuvent être effectués en parallèle. Par conséquent, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.